Ici Jean-François Lépine, bienvenue en jeu. Dans une ville comme Montréal, on compte environ 60 000 cocaïnomanes. Dans les écoles secondaires, un élève sur cinq consomme de la drogue. Le problème est tel que malgré toutes les opérations policières musclées des dernières années, chaque fois, le commerce de la drogue reprend de plus belle. Au point qu'on se demande maintenant si on ne devrait pas plutôt chercher à convaincre ceux qui consomment de la drogue de s'en passer. Récemment, le ministère de l'Éducation ici au Québec lançait un programme pour dépister les jeunes à risque dans les écoles. Le gouvernement fédéral, vous l'avez peut-être entendu, s'apprête lui aussi à emboîter le pas. On voudrait aider les toxicomanes à se désintoxiquer, mais aussi à se réhabiliter. Mais comme vous le verrez dans l'heure qui suit, on ne consacre pas suffisamment de ressources à la désintoxication. On ne contrôle pas non plus la qualité des traitements offerts. I believe for every drop of friends fall, a flower grows. Il est midi. La trentaine de pensionnaires qui résident à la Maison de l'Espoir écoutent religieusement la chanson thème de la communauté, I Believe, de Johnny Stark. Cette scène se répète trois fois par jour, avant chaque repas. À l'instar des autres communautés thérapeutiques privées, la Maison de l'Espoir a été fondée par d'anciens toxicomanes. Thérèse Deschambres est la directrice fondatrice de l'Espoir. Je suis une ancienne alcoolique toxicomane. Okay? J'ai vécu dans un milieu très dangereux. Je consommais énormément. Puis en 80, j'ai décidé d'arrêter. Pour aider un alcoolique toxicomane, il faut que tu aies vécu ça. Ah, c'est bien beau des livres, là, mais les livres ne ressentent pas ce qu'un alcoolique a vécu. T'apprends, c'est sûr. Sauf que tu ne ressentiras pas ce que la personne ressent dans toi. Les maisons de thérapie comme l'Espoir ont une responsabilité très grande. Elles reçoivent une clientèle parmi les plus fragiles. Certaines vont jusqu'à faire signer des contrats de non-suicide à leurs résidents. C'est qu'il s'agit souvent de gens qui ont tout perdu et qui ont derrière eux plusieurs années de descente aux enfers. Oui, j'ai passé aux actes. Quand j'ai vu que je pouvais plus fonctionner dans la société, vu que je n'avais été demandé de l'aide dans un centre qui est supposé donner de l'aide puis donner de l'amour, qui m'ont traité comme un chien, bien, j'ai vu que je n'avais plus le goût de vivre, j'avais plus aucun espoir de solution à mon problème. Moi, je me suis shooté. Moi, mon bras remplaçait mon chum. Moi, mon bras, c'est... L'amour que j'ai pas eu à l'extérieur, quand je me faisais un hit, c'est... J'ai volé mes parents. Ça a été jusqu'à l'auto. J'ai piqué une chaîne en or à ma mère. J'ai déjà piqué de l'argent. J'ai pas été capable de tenir mes responsabilités avec mon enfant. Ça aussi, c'était une des causes pourquoi je me suis calé de plus en plus dans la drogue. Je voyais pas d'issue, tu sais. Je voyais pas d'issue, vraiment pas d'issue. Je me voyais comme un loser. Je suis extrêmement inquiète de ce qu'au Québec, n'importe qui veut faire du traitement de toxicomane, qu'il vienne du Québec ou qu'il vienne de l'étranger, peuvent s'installer sans avoir de compte à rendre au public. Et la question de fond, c'est que la toxicomanie, c'est un problème très grave. Les gens qui deviennent toxicomanes sont des gens très fragiles, sont des gens qui viennent souvent de familles très perturbées, des enfants négligés. Et on ne peut pas laisser le traitement de personnes dépendantes et fragiles dans les mains de n'importe qui s'impose du jour au lendemain thérapeute. Portage Mélaric-Domrémy. On compte au Québec, par exemple, 14 centres publics de traitement des toxicomanes et une soixantaine de centres privés. Je dis une soixantaine parce que depuis quelques années, beaucoup d'anciens toxicomanes se sont improvisés thérapeutes et leur nombre est difficile à évaluer, leur méthode aussi d'ailleurs. Des techniques empruntées aux alcooliques anonymes jusqu'à la confrontation brutale, beaucoup de centres privés au Québec offrent des traitements sans contrôle et à des prix variés. Au point qu'un groupe d'études gouvernementales recommandait il y a 2 ans qu'on adopte des normes minimales de pratique. Alexandra Chatzka et André Lavoie ont cherché à s'y retrouver dans ce labyrinthe de la désintoxication. Ce que ça m'a amené, ça m'a amené en thérapie puis en prison. À la Maison de l'Espoir, il y a de la thérapie 2 fois par jour, 5 jours par semaine. Une thérapeute, elle-même ancienne toxicomane, essaie, avec les moyens du bord, de faire parler les participants. Quand tu,
Tu vois, tu regardes le sujet, un sujet, tes valeurs, comment tu vas, qu'est-ce que tu as encore à travailler. Quand tu regardes ça, juste quand tu es conscient, tu peux travailler. Même si pour certains, cela paraît être une corvée, il s'agit plutôt d'une méthode douce. Dans d'autres communautés thérapeutiques, on est beaucoup moins subtil. Claude Lecavalier en sait quelque chose. Il en est à sa quatrième cure, dans presque autant de centres. Mais les autres, les droits de l'homme, pour eux autres, ils se disent, un toxicomane qui gèle, il n'a plus de droits. Lui, il n'a pas respecté quand il était devoir, les droits de l'homme, il s'était en a plus. Mais souvent, ils ont toutes sortes de conséquences physiques dans le style, le croquant, j'ai parlé, le style vagabond, mais ils vont habiller un gars avec un habit qui est vieux, je ne sais pas combien d'années, qui porte d'homme en homme, puis sans être lavé. Il a interdit un gars de se laver pendant des semaines de temps pour lui montrer sa réalité. Je vois pas quelle réalité tu peux voir dans ça. Là. C'était il y a quelques années. L'ancêtre des communautés thérapeutiques québécoises, le portage, utilisait abondamment les méthodes dures pour réhabiliter les toxicomanes. L'humiliation et la confrontation étaient le lot quotidien des dizaines de résidents. Je me sens frustré! Je t'hostile à toi! Plusieurs de ces anciens utilisent encore ces méthodes dans les maisons qu'ils ont fondées à leur tour. Alain, qu'est-ce que tu fais ici? Alain, qu'est-ce que tu fais tout seul? Alain, qu'est-ce que tu fais en cuisine? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Depuis 20 ans, ils se comptent par milliers et par milliers. Et qui, sûrement, empreint de très belles motivations et de très bonnes intentions, sont allés ouvrir d'autres centres. Il y en a même qui sont venus ici qui n'ont pas complété le séjour, qui en ont fait autant. Et ce qui se passe dans ces maisons-là, ou dans quelle mesure est-ce qu'ils se réclament ou peuvent se dire être de portage, je n'en ai absolument aucune idée. Qu'est-ce qui a le plus changé au portage depuis que vous avez mis les pieds ici il y a 8 ans? Il faut s'adapter dans le monde dans lequel on vit, parce qu'il y a d'autres façons d'obtenir la même chose. Parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte aussi que les gens qui faisaient appel à nos services nous arrivaient peut-être un petit peu plus détériorés dès le départ. Donc, on n'avait pas besoin de briser une espèce de système de défense ou une attitude antisociale aussi marquée que ce qu'on voyait dans les années 70, au début des années 70. Et parce qu'on s'est trouvé d'autres moyens, parce qu'aussi on a continué à jeter un regard sur ce qui se passe autour de nous, et que dans le même sens où aujourd'hui on traite plus les gens aux électrochocs dans les unités psychiatriques, on n'a plus besoin de choquer ici non plus la même chose. Ici, enfin, j'ai rencontré des amis sincères. Je n'ai plus à être le géant de mes rêves ni le nain de mes peurs. Malgré les changements, une thérapie au portage n'est pas de tout repos. Le climat est plus serein et les tâches physiques moins lourdes. Mais le travail se fait toujours en tandem avec l'obligation de communiquer ses sentiments du matin au soir. À tous les jours, c'est un combat, tu sais, de dire, de te lever le matin à 6h15, puis de te dire, bon, la journée commence, puis qu'il faut que tu communiques avec les autres alentour de toi, il faut que tu parles constamment. La thérapie ici, c'est 24 heures sur 24. T'as peut-être une demi-heure à la fin de la journée à toi, à toi libre. Puis encore là, t'es pas libre, parce que tu peux pas te retirer tout seul ici. La solitude, ça n'existe pas ici. Puis c'est ce qui fait que ça marche, je pense. T'as tout le temps quelqu'un pour t'écouter, pour te parler, pour t'écouter. T'as toujours une main tendue. Si t'as jamais été confronté sur tes relations depuis que t'es ici, je me demande si tu sais comment ABCD développer une relation honnête avec une femme. 20 ans après sa fondation, le portage utilise principalement les ex-toxicomanes. Ils sont thérapeutes et même directeurs. Mais on y fait appel aussi aux spécialistes. Judy? J'aimerais que tu m'aides à... devenir une vraie femme. Il y a des juges, des avocats, des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des médecins, des travailleurs sociaux, d'anciens résidents. Ça, c'est la Fondation Portage, qui, elle, supervise le programme de portage, qui, lui, gère les différents centres d'accueil. Il y a des évaluations constantes qui sont faites. Régulièrement, chaque année, tout le personnel de notre organisation sortir, regarde qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment ça va dans la communauté. On a d'ailleurs déposé un projet de loi là-dessus. Louise Nadeau est professeure à l'Université de Montréal.
Spécialiste en toxicomanie, elle est aussi vice-présidente du Comité permanent de lutte à la drogue, créé il y a un an par le gouvernement du Québec. Elle n'est pas étonnée du fait que tant d'ex-toxicomanes travaillent comme intervenants dans les communautés thérapeutiques. Quand on a shooté de la dope 10 ans, qu'on a commencé sa vie à 13 ans dans la rue et qu'on se ramasse à 28 ans et que ça nous tente pas pantoute de suivre les cours qu'offre le ministère du Travail du Canada, la meilleure chose à faire, c'est de devenir thérapeute. Et tout le monde veut devenir thérapeute parce qu'ils veulent pas aller à l'usine ou aller travailler chez McDonald's. Escalier, bureau, André, M, puis Gilles. Les toilettes, Michel, L, vaisselle, Philippe, Christian, Stéphane. Bon, clean-up. À la Maison de l'Espoir, Jean-François Soulier en est à sa troisième thérapie. Pourtant, avant chacune de ses rechutes dans la drogue, il avait été intervenant auprès d'autres toxicomanes dans un autre centre. Est-ce que des anciens toxicomanes qui encadrent d'autres toxicomanes qui les aident à s'en sortir, est-ce qu'ils font des erreurs? Oui, évidemment. Vous, est-ce que vous en avez fait? Évidemment. Évidemment. Bien sûr. Quel genre d'erreur? Erreur de diagnostic, erreur de... Bon, on apprend son métier sur le tas, vous savez. Ma conception de ce que c'est une relation d'aide maintenant a évolué. Je peux vous dire maintenant que si tu arrives à pas faire de tort à quelqu'un dans une relation d'aide, tu as fait un grand pas déjà. Chose dont j'étais pas tout à fait conscient à l'époque. Puis j'avais plutôt tendance à mettre de l'avant mes conceptions ou les conceptions dominantes là, qui circulaient au centre. Moi, je reste convaincue que le modèle communauté thérapeutique, lorsqu'il est bien géré, est une des choses les plus thérapeutiques qui puisse se passer. Mais par ailleurs, il faut que ça soit comme une famille, avec des grands-pères et des mononcles et des cousins qui arrivent et un milieu ouvert, et aussi que l'on décide que l'objectif est de réapprendre la réinsertion sociale et non pas de faire fonctionner le système en vase clos. Vous n'allez pas au salon. Personne fume avant qu'on ait fini le time-out. Le personnel de la Maison de l'Espoir n'est pas payé pour le moment. Pour l'instant, toute l'opération est financée principalement par les prestations d'aide sociale dont bénéficient la plupart des clients. Pour rentrer dans ses frais, la maison doit augmenter sa clientèle. Ici, 7 résidents sur 10 viennent des palais de justice, qui représentent un vaste marché où s'alimentent plusieurs communautés thérapeutiques. Les juges, plutôt que de surcharger les prisons, n'hésitent pas à envoyer des prévenus en désintoxication en attendant l'enquête ou le procès. Patrick Charret, lui-même un ex-toxicomane, est agent de liaison. Il représente la Maison de l'Espoir auprès des avocats, des juges et des prévenus. Est-ce qu'on vous pose aussi des questions sur la qualité de la cure, sur la méthodologie? Oui, on m'en pose, et puis on m'en pose de l'avocat de la couronne et du juge parfois. Alors, il faut se débrouiller, puis on leur dit que c'est... comment c'est la maison, l'espoir va. Et puis, généralement, ça va bien, là. Ça va bien. La semaine passée, j'étais allé à Sherbrooke, j'en ai sorti 3 personnes. Puis c'est la première fois, je veux dire, les juges sont réticents, et puis, je sais pas, quand ils voient que t'es nouveau, là, ils sont plus... Mais ça a bien été. J'étais bien content de moi. On n'a pas de critères, on n'a même pas de définition. Mais je remarque depuis 2 ou 3 ans qu'on s'implique beaucoup moins, qu'il y a prolifération de ces maisons. Ça vous inquiète? Ben, on apprend du jour au lendemain que tel presbytère à tel endroit est devenu une maison de thérapie. À tel autre qu'une ancienne maison, une ancienne résidence pour personnes âgées est devenue une maison de thérapie avec un directeur qui sort, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, avec des intervenants, entre guillemets, dont on ne connaît pas les qualifications. Il y a actuellement certainement un problème. Au moment même où nous étions en train de visiter la Maison L'Espoir, le service de probation du ministère de la Sécurité publique envoyait une lettre aux juges de différentes instances. On pouvait y lire que la Maison L'Espoir n'était absolument pas recommandable et que des résidents ainsi que certains responsables y avaient toujours un problème d'intoxication. Nous sommes donc retournés à Brigham pour voir si cette information-là était vraie. Okay, je pense que s'il y aurait ça dans la maison ici, là, j'aurais pas tant de coups qui m'appelleraient pour aller chercher des prévenus, OK? Puis dire, on les envoie chez vous.
Mais là, apparemment, que c'est sur le point de finir. Le juge qu'on a interviewé nous a dit « Oui, j'ai reçu cette lettre-là, et si j'ai encore à envoyer des gens, je n'enverrai sûrement pas l'espoir. » Bon, ils enverraient bien ce qu'ils voudront. Moi, je sais ce que j'ai pris mon monde, puis je sais ce que le juge que je travaille, puis je sais aussi que ma maison est correcte. Je m'enlève les mains. Moi, j'ai les mains blanches. Il n'y a aucune drogue qui circule ici? Non. Parce qu'ils sont fouillés autant quand ils sortent que quand ils rentrent. Karim, oui. Tu viens d'arriver ici? Oui. Tu es en sevrage? Oui. Et travailler comme ça pendant les sevrages, ça te dérange pas? Ben non, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut? Ben oui, sinon, il faut que tu t'occupes, il faut que tu travailles. Sinon, ça va pas. Faut que tu sois occupé tout le temps. Pourquoi? Ben parce que sinon, tu restes dans ton coin, tu repenses juste à dehors, à ton passé, puis ça, c'est pas bon. Tu penses juste à ton aller, faut que tu t'occupes, faut que tu aies... Faut que t'aies le goût de travailler, faut que t'aies le goût de parler avec le monde, faut que tu bouges. Lac Nomineng, dans les Laurentides. Karine est à son second séjour dans cette communauté thérapeutique nouvellement installée au Canada. Il s'agit du Patriarche, une transnationale de la désintoxication. 250 maisons dans 17 pays, 3 centres au Québec. Au Patriarche, la thérapie passe principalement par le travail. Ici, pas question de s'asseoir en rond pour analyser ses états d'âme. La guérison passe avant tout par la création d'un environnement beau et fonctionnel. Tous les jours, tous doivent exécuter des tâches qui vont de la construction ou restauration de bâtiments, à la couture et à la menuiserie. 1, 2, 3, 4, je paye 64. Au Patriarche, les couples peuvent se former à certaines conditions. Parents et enfants sont pris en charge par la communauté. Les gens qui se mettent en couple, c'est des gens qui ressentent vraiment des sentiments très forts pour l'autre personne. Et puis, il y a une petite séparation qui est faite, comme on dit, pour voir vraiment si les sentiments sont réels. Et ensuite, il y a la mise en couple, un mariage, on fait un petit mariage entre nous tous. Ici, on ne pousse pas les gens à quitter la communauté une fois la cure terminée. Ils peuvent rester aussi longtemps qu'ils le désirent. Ils peuvent même voyager à travers le monde et séjourner dans différentes maisons du Patriarche. Mais il y a un danger, celui de remplacer la dépendance à l'égard de la drogue par la dépendance à l'égard de la communauté. Manolo est originaire d'Espagne. Cela fait 11 ans qu'il est avec le Patriarche. Il vient d'arriver au Québec. Comment ça se fait que vous êtes resté si longtemps? C'est un choix personnel, c'est pas... Personne ne m'a obligé, moi je choisis de rester ici parce que, bon, j'ai trouvé que... De la même façon qu'on m'a aidé à moi à sortir de la drogue, moi j'aime bien aussi aider des autres gens le plus longtemps possible. Ça c'est normal, hein? Bon, il y a 2 jours que tu es là, tu viens de te shooter. Tu as buté Citizen aujourd'hui? Ouais. Trouble visuel? Oui. Bon, si t'es angoissé, si t'es stressé, t'es ici pour justement... La particularité du Patriarche, c'est entre autres le sevrage bloc. Ben, à l'aide de tisanes que l'on boit plusieurs fois par jour, ainsi que de bains faits également à base d'infusion, on aide le toxicomane à passer les premiers jours d'abstinence. J'ai l'air d'une peine de lait. Non, t'es belle comme tout. Non. Karine a 21 ans. Elle est arrivée au Patriarche la première fois, enceinte de 6 mois. Pendant son séjour en communauté, elle a accouché d'un beau garçon de presque 8 livres. Mais quelques semaines après son accouchement, elle a décidé de retourner chez ses parents. Peu de temps après, elle prenait à nouveau de la cocaïne. Aujourd'hui, Karine essaie encore une fois d'en finir avec la drogue. Et maintenant, tu crois que tu es là pour longtemps? Oui. Oui, parce que quand tu fais une deuxième réadmission, tu sais qu'est-ce qui t'attend en rentrant au Patriarche. Tu sais quoi un sevrage, tu sais quoi ta tisane que tu bois, tu sais c'est quoi les bains de tisane, tu sais quoi la thérapie. Puis tu sais que t'en as, de 6 mois, t'en as pas assez. Tu sais que si tu rentres ici, c'est parce que c'est pour faire plus que 6 mois, puis de travailler à fond sur toi. C'est ça que je veux. Parce que je tenais de sa vie, de la vie d'enfer. Parce que c'est l'enfer. Je commençais à 9 ans, j'avais de la drogue. Je prenais de l'alcool. Janine,
22 ans, est au patriarche depuis un an. Mais elle n'en est pas à sa première cure. Tu as déjà fait deux cures de courte durée avant? Oui, de 28 jours. Et c'est rien. Bon, pour moi, parce que j'avais pas de volonté, de un, parce que j'aimais la drogue. Et de deux, 28 jours, c'est zéro, c'est rien. Pour un toxicomane qui est dans la rue, qui se prostituait tous les jours pour avoir sa drogue, pour pouvoir vivre, quoi, 28 jours, c'est absolument rien. Est-ce qu'il y avait des spécialistes? Bon, des spécialistes psychologues, éducateurs, mais ils n'ont jamais connu c'était quoi la drogue. Jamais. Est-ce que tu as déjà vu un psychologue ou un psychiatre? Mais j'ai vu des travailleurs sociaux. Puis j'ai jamais vraiment eu le goût de leur conter la vérité, c'était juste des menteries, pour être honnête. Parce que si tu te dis, lui, il n'en a jamais pris de drogue. T'sais, lui, je peux bien lui bourrer le crâne. T'sais, si j'ai le goût d'aller en prendre, je vais finir mon heure de thérapie, puis je vais retourner m'en chercher. Malgré ses allures bon enfant et l'atmosphère détendue qui y règne, le patriarche n'échappe pas à la controverse, en particulier en France, son pays d'origine, où certains spécialistes, psychiatres, psychologues, ne cessent de le vilipender. À cause, entre autres, de l'image de son fondateur, Lucien Angelmayer, que l'on peut voir un peu partout. Aussi à cause du manque d'encadrement spécialisé. Les responsables récusent ces critiques et se disent ouverts à une assistance de la part des spécialistes, mais à certaines conditions. Maintenant, si des personnes, psychiatres, psychologues, thérapeutes en tout genre, viennent dans nos centres avec des qualités de thérapeutes comme celles dont nous on a besoin, c'est-à-dire avec une disponibilité de 24 heures sur 24, avec un altruisme très poussé, avec une volonté réellement de s'investir pour aider une personne qui est toxicomane, ces personnes sont les bienvenues et on a beaucoup de personnes bénévoles qui sont dans nos centres et qui ne sont pas toxicomanes et qui ont un rôle très important. Suite aux recommandations du rapport Bertrand, il y a déjà 2 ans, le ministère de la Santé et des Services sociaux doit établir les normes minimales visant les centres de réadaptation. Conseil d'administration et code d'éthique obligatoire, ainsi qu'une formation minimale pour les intervenants, voilà ce que le gouvernement pense imposer à ces établissements. On est à 100% pour qu'il y ait des standards qui soient établis, dans la mesure où ils ne deviendront pas limitatifs, où ils ne vont pas focusser et dire « telle est l'approche qui est curative et qui apporte le succès » et qu'on éliminera à partir de ce moment-là les autres. Ça serait une énorme erreur. Par contre, c'est vrai qu'il c'est important qu'il y ait un standard. Comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup de maisons qui ouvrent un peu partout. Au départ, tout le monde ouvre avec d'excellentes motivations, sauver des vies humaines. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources. À un moment donné, quand tu crois en ce que tu fais, c'est important de rester en vie. Et pour rester en vie, il y a des gens qui vont peut-être oublier pourquoi ils ont ouvert leurs portes. Au Canada, on a tendance à isoler les toxicomanes en thérapie. D'ailleurs, la plupart des centres de désintoxication sont situés à la campagne. Mais en Europe, par exemple, où la drogue est souvent plus facilement disponible qu'ici, on a une autre attitude. Nous vous présentons aujourd'hui l'exemple du Centre italien de solidarité à Rome, un centre modèle où les Nations unies envoient se former des thérapeutes du monde entier. Le centre insiste pour que les thérapies se déroulent au cœur de la ville, près du milieu de la drogue. Et tout au long de la cure, les familles des toxicomanes sont invitées à participer à leur thérapie. En plein cœur de la ville de Rome, le Centre italien de solidarité s'occupe des toxicomanes depuis 1976. À ce jour, près de 10 000 personnes ont déjà bénéficié de ses services. L'accueil, c'est la première étape et elle est obligatoire. Elle dure plusieurs mois et se fait en externe. Des jeunes gens qui viennent de la terminer reçoivent aujourd'hui des encouragements de ceux qui les ont précédés et qui résident déjà en communauté thérapeutique. Però quello che voglio dire è che una fase molto importante per me è stata quella che state facendo voi adesso nell'accoglienza, che sarà fondamentale. Cette étape initiale est fondamentale.
Il s'agit des premiers pas vers la rupture avec la drogue. Adrienne Chalavico est éducatrice au centre. Ça s'appelle une phase de préparation à la communauté. Ils ne peuvent pas rentrer dans les conditions dans lesquelles ils sont quand ils arrivent. Donc il faut petit à petit qu'ils acquièrent des façons nouvelles de se comporter avec les autres. Qu'ils acquièrent une facilité de penser à leurs problèmes, à centrer leur attention, se concentrer sur des problèmes qu'ils ont. Et cette période qui dure pas mal de temps. C'est sans aucun doute la thérapie de corridor qui surprend le plus au centre. La thérapie de corridor, c'est quelque chose d'informel et c'est pour les parents qui viennent souvent, tous les jours, reconduire leurs jeunes. Ils restent là quelque temps pour parler avec d'autres parents ou avec des intervenants, pour partager leurs expériences. Dès la première étape, la famille est essentielle dans la philosophie du centre. Même si la famille est cassée, la famille peut être réunie pour résoudre un seul et unique problème. Ce qui ne veut pas dire que nous devons remettre les personnes ensemble. On doit essayer de résoudre un problème, de le comprendre, d'en parler tranquillement en tant qu'adulte. Ce qui arrive souvent, c'est que les parents traitent les enfants comme des enfants et les enfants traitent les parents comme des parents. Ce qu'on doit réussir à arriver, c'est de parler en adulte, les uns avec les autres. Dès le début, les parents ont aussi des activités structurées. Les pères, les mères, mais aussi les frères et les sœurs, ou encore les conjoints, doivent participer une fois la semaine à des rencontres de groupe. Ici, un groupe de mères prépare le terrain pour le retour des ex-toxicomanes dans leur milieu familial. Maria, allora, se tu capisci che in questo comportamento di tua figlia c'entra il comportamento del padre, non puoi dare tutta la colpa a tua figlia. No, assolutamente. Ecco. Allora cerca di conquistarti un po' la fiducia di tua figlia, perché con questo sistema che tu dici io voglio che stia con me a casa a parlare, ma come può parlare questa ragazza se sente che in famiglia non c'è un clima, diciamo che la mette la a suo agio? La mia figlia lavora sempre, a casa non ci sta mai, non sì. È che lavora... E... Castel Gandolfo. À 30 km au sud-ouest de Rome, cette petite ville pittoresque est connue surtout comme résidence d'été du pape. Elle abrite également une communauté thérapeutique. San Carlo est une des deux communautés résidentielles du Centre italien de solidarité. Construite autour d'une magnifique maison, cadeau d'un cardinal, San Carlo accueille une centaine de toxicomanes. Ici, comme à l'accueil, les familles semblent omniprésentes, surtout le dimanche. Quello che mi porta avanti è cioè, che ho la forza di andare avanti e, cioè, e divido con lei anche le cose che succedono. Pendant que les maris résident en communauté, leurs femmes suivent les sessions de thérapie de groupe offertes par le centre. Un dei miei problemi è che sono molto aggressiva, non ragiono sulle cose, ero molto impulsiva, mentre adesso, prima di fare qualcosa, ci penso due volte. Siamo riusciti così ad andare avanti, non finalmente non litigare più. Giorgio Spagnoli a 24 ans. Étudiant en musique, il a pris de l'héroïne pendant 6 ans. Arrêté par la police pour possession de stupéfiants, il a préféré aller en désintoxication plutôt qu'en prison. Il est à San Carlo depuis 5 mois. Il a aussi convaincu ses parents de participer au groupe de thérapie. Pour toi personnellement, en quoi ça a changé ou tes relations avec tes parents? Ma adesso in meglio, anche se di poco, ma in meglio, nel senso c'è molta più sincerità da parte mia, onestà da parte mia e magari prima mio padre, la mia famiglia badava un po' alle cose materiali per farmi star bene, no? Adesso c'è anche la voglia di stare bene insieme, di vivere come una famiglia normale. En ce dimanche après-midi, dans leur modeste cuisine, les parents de Giorgio prennent le café en compagnie de quelques membres de la famille. Cela ne fait pas très longtemps qu'ils participent activement aux rencontres de parents du centre. Mais déjà, ils en voient des avantages. Si lui est content et nous andiamo al Cese, il a fait le programme, quand il est le mercredi. Insomma, è tanto contento perché se non ci vai, dopo non sai quando esce, non sai come devi comportare, capito? Quando ritorna da. Che ha finito il programma su San Carlo. È stata la cosa fondamentale per me poter riuscire ad avere dei rapporti con lui, perché sicuramente ho usato l'eroina perché non avevo questo dialogo con mio padre, no?
Mais la thérapie, dans ce cas-ci, a aussi mis en lumière des divergences entre le père et la mère. J'avais fait le pianoforte et m'a dit à me, je sais pas, me diceva, che bel pianoforte, ciò. Lui era contento, capito? Invece tu mi hai detto, insomma, pure ti faccio il pianoforte, però mi devi dire, a mappa ciò mi sai, sono bello, come bello. Lui è un tipo così, che ne so. È un tipo che su queste cose ci tiene, capito? No, per questo uno deve andare a finire. No, vabbè, ce l'ha fatto. Non ce l'ha fatto. Les communautés thérapeutiques du Centre italien de solidarité ressemblent à bien d'autres communautés dans le monde. En plus des travaux des champs, les pensionnaires doivent s'occuper des tâches habituelles, comme la cuisine et le lavage. Il y a aussi des cours et des activités culturelles avec des spécialistes qui viennent de l'extérieur. Mais il y a des aspects fondamentaux qui distinguent le centre. Les décisions sont prises en grande partie par les personnes qui participent dans le programme, par les opérateurs à différents niveaux, par la direction ensuite et par le président. Il y a tout un service hiérarchique qui est complètement différent que ce que l'on peut trouver dans d'autres programmes. Ici, tout le monde doit participer. Tout le monde est obligé, disons, de prendre part, devient responsable de sa propre personne. Nous ne prenons pas en charge la personne en tant qu'elle. Et on va lui éviter de prendre ses problèmes. On va lui, par contre, l'aider à prendre elle-même ses problèmes et de les résoudre. Nous sommes là pour l'aider. Juan Corelli est le vice-président du Centre italien de solidarité. Selon cet ancien danseur de ballet et chorégraphe d'origine catalane, pour qui l'intervention auprès des toxicomanes est une seconde carrière, il faut absolument tenir compte du contexte culturel pour qu'une thérapie puisse marcher. L'italien réagit pas exactement correctement à une confrontation violente. Nous sommes un peuple, nous sommes latins, moi-même je suis espagnol, nous avons besoin de comprendre quelles sont les nôtres responsabilités. Donc, nous avons besoin d'entrer dans un processus éducatif, dans un processus pédagogique, dans un processus qui me respecte parce que je suis une personne, mais qui m'aide à développer mes capacités, mes possibilités. Pour aider les opérateurs, c'est-à-dire les intervenants, à jouer ce rôle, le centre met à leur disposition une école située à Castel Gandolfo. Tous doivent y recevoir une formation appropriée. Des ex-toxicomanes comme les spécialistes. Aussi, des stagiaires du monde entier viennent y suivre des cours. En Italie, 42 communautés thérapeutiques ont adopté le programme du Centre italien de solidarité. Et les besoins sont grands dans ce pays, comme le montre cette publicité gouvernementale. Per stare con loro. Però quando poi stai male, ti trovi davvero solo. L'Italie compte aujourd'hui plus d'un demi-million de toxicomanes. Depuis peu, une loi du gouvernement italien criminalise fortement l'usage de la drogue en offrant aux contrevenants le choix entre la désintoxication et la prison. Du coup, la clientèle des centres de réhabilitation a augmenté de 20 %. Elle se chiffre aujourd'hui à 60 000 personnes.